Je me prénomme Lundi, je suis une voyageuse dans le temps et dans l'espace. Je me prénomme Mardi, je suis une voyageuse dans l'espace et le temps. Je m'appelle Mercredi, je suis une voyageuse dans l'espace et le temps. Je m'appelle Jeudi et je suis une voyageuse dans le temps et dans l'espace. Je m'appelle Vendredi, je suis une voyageuse dans l'espace et le temps. Je m'appelle Samedi et je suis une voyageuse dans l'espace et dans le temps. Je me prénomme Dimanche et je suis une voyageuse spatio-temporelle. Nous sommes des voyageuses qui avons traversé les siècles et sillonné la planète. Nous sommes épuisées et nous avons besoin de nous reposer.
si vous deviez accueillir quelqu'un qui a fait un long voyage et qui a marché pendant longtemps, que feriez-vous pour cette personne ou que lui donneriez-vous? Alors, je lui proposerais un repas et peut-être passer une nuit, tout simplement. Moi, ce que je ferais, c'est que je lui ferais d'abord un gros bisou. Et ensuite, je lui ferai très bien à manger pour qu'il se remette de ses émotions et d'avoir trop marché. Je lui donnerai quoi? Je lui donnerai de l'argent, c'est tout. Je lui proposerai de venir se reposer, l'hospitalité. Déjà un siège à boire et à manger. Ce que je lui donnerai, la possibilité de travailler. De l'eau à manger, l'hospitalité. Peut-être un peu de sous, peut-être l'accueillir à la maison, je ne sais pas dans quel état il est. Eh bien, tout ce que j'ai dans mon sac, parce que ça serait gentil de les donner s'il n'a rien. Hospitalité, à boire, à manger et à dormir. Il fait sa douche, un lit. Quelque chose pour dormir et qu'il soit chaud, peut-être des vêtements aussi. Un lit, et puis un repas, Et puis après, ben, s'il a besoin de quelque chose que je peux lui offrir, pourquoi pas? Alors déjà, je lui demanderai est-ce qu'il a pris son repas, est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il aime le mieux. Et puis, je lui proposerai de dormir chez moi. Comme ça, je prendrai davantage de temps pour profiter de son voyage, parce qu'il me raconterait tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a visité. Thank you.
oasis sous le soleil du désert, semble se suffire sans souffrir. Petit paradis peureux où ne passe personne et d'où personne ne part. Des tours, des arbres, des paraboles, des fleurs, le bitume, le parc, le béton, le sable, amixol. Le Weneco d'un exode, gras, locaux, enracinés, méfiants, défiant l'étranger. Le souffle du sauvage, souffle du sauvage. Manque d'inspiration, la saison tient pas au cran, hier pourtant la croix tire à pierre. Le souffle du sauvage, le souffle du sauvage. Étranger, déraciné, errant, cherchant un foyer. Attraction pour la civilisation. La confrère de la vie, de la ville à l'exil. Les marcheurs espèrent trouver leur île pour un futur tranquille. Parti ouvrir, accueillir, devenir un cycle infini de sourire qui se mêle au soupir. Le souffle du sauvage, le souffle du sauvage. En moins d'inspiration, le sang tient bas au front. Hier, tout un croix tient à pierre. Le souffle du sauvage, le souffle du sauvage. Si vous connaissez quelqu'un qui part en long voyage et qui va marcher pendant longtemps, que lui donneriez-vous ? Un peu d'argent peut-être. Un peu d'argent pour qu'il puisse s'arrêter et manger dans un lieu. Voilà, dans un restaurant. Ou voilà, peut-être un peu d'argent. Une carte ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Ou alors je l'amènerai à un point où il veut partir ou quelque chose comme ça. Moi, de l'eau à manger, des sous et dormir. Ah, peut-être mon livre préféré, mais ça ne sera pas forcément le sien.
Donc, je ne sais pas, un guide de voyage intéressant, culturel. Un sandwich? Je ne sais pas. C'est pas facile comme question. Des bonnes chaussures, une bouteille d'eau. Mais ça dépend du temps. Après, un manteau s'il fait froid. De l'argent s'il avait besoin. Si je le connais, je lui prête ma valise, des affaires, un pyjama, de la nourriture et tout. Un appareil photo, pour les souvenirs. Moi, je lui offrirai une bonne paire de chaussures pour qu'il marche longtemps. Je lui donnerai pour qu'il puisse manger, qu'il ait quelque chose, pour qu'il puisse quand même pouvoir se débrouiller, quoi. De la nourriture et peut-être voilà, découvert, quoi. Couteau, fourchette, voilà. Une chanson. Ah, bien. Vous pouvez la chanter? Non. Ouais, si vous voulez. Allez. En marchant ce matin à Saint-Jacques, mais suivant l'étoile du berger, nous marcherons à la vie. La voix de Compostelle. Sillonner toute la planète, notre prochain voyage va consister à sortir de l'écran.